Eh bien salut tout le monde, salut à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'avez-vous jamais rêvé de rejouer en ligne à la PSP? Eh bien, si vous le savez sans doute, sur tout plein de consoles, il faut réouvrir des serveurs. Ça demande du temps, c'est très long et la PSP ne propose pas beaucoup de jeux. Eh bien grâce à l'application Adhoc Party, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux proposant du Adhoc mais en ligne. C'est une application qui était fournie sur le PlayStation Store de l'époque et l'application a réouvert. Je vais donc pouvoir vous expliquer comment cela fonctionne. Cette application permettait en effet de simuler le LAN, mais en ligne, via une application qui permettait, en connectant sa PSP à sa PS3, eh bien, de revoir tout simplement, de pouvoir jouer avec des amis du monde entier, des amis qui ne sont pas proches de chez vous, puisque le Adhoc est simplement un mode local pour pouvoir jouer à plusieurs sans fil. Eh bien là, on va pouvoir tout simplement proposer le sans fil en ligne. Adhoc Party est maintenant disponible en téléchargement gratuit depuis le PlayStation Store sur la PS3. C'est donc ce qu'on va vous présenter. Sachez que je vais entièrement lire le blog du 22-12-2009 de PlayStation, puisque ça résume grosso modo comment fonctionne Adhoc Party. D'accord ? Comment cela fonctionne-t-il ? Les titres PSP avec un mode Adhoc demandant normalement d'être proche de l'autre joueur. Eh bien, Adhoc Party vous permet de jouer aux jeux qui nécessitent le mode Adhoc, comme Gran Turismo et Monster Hunter Freedom Unit. Ce sont des exemples, il y en a beaucoup plus, il y en a au moins une centaine, voire deux fois plus qu'une centaine. Et bien tout ça via internet au travers de la PS3. Cela signifie donc que si l'application Adhoc Party a réouvert, pas besoin de réouvrir de serveur puisque ces jeux-là iront directement se connecter en mode Adhoc. Cela signifie que vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités du mode Adhoc même si vos amis sont éloignés. Votre PSP se connecte à votre PS3 en Wi-Fi vous permettant de discuter en ligne avec vos amis en Europe. Ou dans d'autres régions du monde. C'est juste qu'ils ont précisé en Europe, mais je vous rassure, ça marche avec n'importe quelle région. Avant de vous affronter dans le confort de votre salon respectif. En plus de tout cela, Adhoc Party pour PSP supporte le chat vocal via un casque micro sans fil ou le PlayStation Ace entre guillemets. Si vous avez l'application Adhoc Party sur votre PS3, vous pourrez utiliser le casque de votre PS3 pour parler directement sur les fameux modes de jeu qui correspondent à votre jeu PSP, vous permettant de vous immerger complètement dans l'expérience de jeu uniquement disponible sur PlayStation. Pour utiliser Adhoc Party, vous devez simplement connecter votre PSP à une PS3 via une connexion sans fil et accéder à Adhoc Party pour trouver d'autres joueurs qui veulent jouer au même jeu que vous. Il est important de noter que votre PS3 doit être connecté en câble avec la PSP pour que l'ensemble fonctionne. Regardez la vidéo ci-dessous pour plus de détails. Bon, la vidéo n'était plus disponible à l'époque. En tout cas, elle ne l'est plus. Les jeux compatibles actuellement incluent Gran Turismo, Monster Hunter Freedom Unit, Dissidia Final Fantasy, évidemment, il y en a bien plus. C'est juste que là, il résume 3 jeux. Dans Gran Turismo, le mode Adhoc permet notamment de concourir jusqu'à 4 joueurs. Avec Adhoc Party, vous pouvez donc le faire avec n'importe quel joueur de n'importe quelle région du monde entier. Voilà, ça c'est grosso modo le résumé de l'application Adhoc Party. Je ferai un tuto prochainement ainsi qu'un tuto pour se connecter online à la PSP et on verra dans un même temps comment utiliser l'application Adhoc Party où je séparerai ça en deux vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu et si vous avez des infos, des indications à donner ou des choses comme ça. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Retro Online qui vous fait tout simplement revivre le online des consoles rétro. Le lien est en description, nous organisons régulièrement des événements, des soirées entre amis. Vous êtes sûr de trouver du monde avec qui jouer pour vos jeux rétro online favoris sur console. Allez, c'est tout pour moi, ciao tout le monde.